Bienvenue dans notre exploration fascinante du Labrador Retriever, l'une des races de chiens les plus populaires et les plus aimées au monde. Dans cette vidéo, plongeons-nous dans l'histoire et les origines de cette race remarquable, pour comprendre ce qui en fait un compagnon si spécial pour tant de gens à travers le monde. Les labradors, avec leur nature amicale et leur intelligence vive, ont conquis les cœurs de nombreuses familles depuis des décennies. Mais saviez-vous que ces chiens ont des racines profondes qui remontent à la côte et du Canada les labradors tirent leur nom de la région où ils ont été initialement élevés, la péninsule du Labrador, au Canada. C'est là que ces chiens ont été développés pour la première fois, dans les années 1700, par des pêcheurs et des chasseurs de la région. Les labradors étaient initialement utilisés comme chiens de travail par les pêcheurs locaux. Leur tâche principale était d'aider à récupérer les filets de pêche et les poissons tombés à l'eau, grâce à leur remarquable aptitude à nager et à leur volonté infatigable. Au fil du temps, les labradors se sont également révélés être d'excellents chiens de chasse, grâce à leur nez sensible et à leur désir ardent de plaire à leur maître. Ils sont devenus particulièrement populaires auprès des chasseurs pour leur capacité à récupérer le gibier abattu, que ce soit sur terre ou dans l'eau. Ainsi, les labradors ont commencé leur voyage en blanc tant que compagnons de travail indispensables dans les communautés côtières du Canada. Mais leur réputation de chiens fiables et polyvalents a rapidement dépassé les frontières. Et ils ont gagné en popularité dans le monde entier en tant que chiens de famille aimant et dévoué. Dans les sections suivantes de cette vidéo, nous plongerons plus en profondeur dans les caractéristiques physiques, le tempérament et les besoins en matière de soins des labradors. Rejoignez-nous pour en savoir plus sur ce chien extraordinaire et sur ce qui le rend si spécial pour tant de gens à travers le monde. Caractéristiques physiques. Les labradors sont des chiens de taille moyenne à grande, bien proportionnés et athlétiques. Voici un aperçu de leurs principales caractéristiques physiques. Taille et poids, les labradors mâles mesurent généralement entre 56 et 61 cm au garrot, tandis que les femelles mesurent entre 54 et 59 cm. En termes de poids, les mâles pèsent en moyenne entre 29 et 36 kg, tandis que les femelles pèsent entre 25 et 32 kg. Corps, leur corps est robuste et bien musclé, avec une poitrine profonde et des membres forts. Le dos est droit et de longueur moyenne donnant au chien une allure équilibrée et harmonieuse. Tête, les labradors ont une tête large et bien proportionnée par rapport au reste de leur corps. Le crâne est légèrement arrondi, avec un stop modérément prononcé. Leur museau est de longueur moyenne, avec des mâchoires puissantes et des lèvres bien ajustées. Yeux et oreilles, leurs yeux expressifs sont de taille moyenne et de couleur marron ou noisette. Ils dégagent une expression douce et intelligente. Leurs oreilles sont de taille moyenne. Attachée assez haut sur la tête et pendent près des joues. Queue, la queue des labradors est de longueur moyenne, épaisse à la base et effilée vers l'extrémité. Elle est portée droite ou légèrement incurvée, et est souvent décrite comme ayant une action de balancier et caractéristique lorsqu'ils sont en mouvement. Pelage, les labradors ont un pelage dense et imperméable, qui les protège des intempéries et de l'eau lorsqu'ils nagent. Il peut être de couleur noire, chocolat ou jaune, chaque couleur étant uniforme sans marques excessives. Tempérament et personnalité. Les labradors sont réputés pour leur tempérament amical, leur intelligence vive et leur nature douce, ce qui est en fait l'une des races de chiens les plus populaires au monde. Voici un aperçu de leur tempérament et de leur personnalité. Amical et affectionné, les labradors sont connus pour leur nature amicale et affectueuse envers les humains et les autres animaux. Ils sont souvent décrits comme étant des chiens de famille parfaits, car ils sont très attachés à leurs proches et adorent passer du temps avec eux. Intelligent et facile à vivre, les labradors sont des chiens très intelligents et faciles à vivre, ce qui les rend adaptés à divers environnements et modes de vie. Ils ont une capacité d'apprentissage rapide et sont généralement coopératifs lorsqu'il s'agit d'apprendre de nouveaux comportements ou de suivre des instructions. Joueurs et énergiques, en tant que chiens de travail à l'origine, les labradors ont une énergie considérable et aiment participer à des activités physiques et mentales stimulantes. Ils sont particulièrement friands de jeux de récupération de natation et d'exercices d'agilité qui leur permettent de dépenser leur énergie de manière positive patients et tolérants les labradors sont généralement connus pour leur patience et leur tolérance ce qui est en fait d'excellents compagnons pour les enfants et les autres animaux de compagnie leur nature douce et leur capacité à s'entendre avec tout le monde en font des chiens de famille idéaux protecteurs mais non agressifs bien que les labradors soient naturellement protecteurs envers leur famille ils ne sont généralement pas agressifs envers les étrangers leur nature amicale et leur comportement non conflictuel en font des chiens de garde efficaces mais doux. Besoins en matière de soins et d'alimentation. Les labradors ont des besoins spécifiques en matière de soins et d'alimentation pour rester en bonne santé et heureux. Voici quelques points à prendre en compte. Alimentation équilibrée, les labradors ont tendance à avoir un appétit vorace, il est donc important de leur fournir une alimentation équilibrée et adaptée à leur âge, leur poids et leur niveau d'activité. Optez pour des aliments de haute qualité riches en protéines, en matières grasses saines et en nutriments essentiels pour répondre à leurs besoins nutritionnels. Portions contrôlées, étant donné leur propension à l'embonpoint, il est crucial de contrôler les portions alimentaires et de ne pas céder à leurs demandes incessantes de nourriture. Suivez les recommandations de votre vétérinaire en ce qui concerne la quantité de nourriture à donner à votre labrador, en fonction de son poids et de son niveau d'activité. Exercice physique régulier, les labradors sont des chiens énergiques qui ont besoin d'exercices réguliers pour rester en forme et en bonne santé. Prévoyez au moins une à deux heures d'exercice quotidien, sous forme de promenade, de jeux de récupération, de natation ou d'autres activités stimulantes. Soins généraux. En ce qui concerne les soins généraux, les labradors nécessitent un toilettage régulier pour maintenir leur pelage en bonne santé et pour réduire la perte de poils. Brossez-les au moins une fois par semaine pour éliminer les poils morts et les débris. Assurez-vous également de leur fournir un abri sûr et confortable pour se reposer et se détendre. Visite chez le vétérinaire. Les labradors ont besoin de visites régulières chez le vétérinaire pour des contrôles de santé, des vaccinations et des traitements préventifs contre les parasites. Assurez-vous de planifier des examens annuels pour surveiller leur santé et détecter tout problème de manière précoce. Formation et éducation. La formation et l'éducation sont des aspects essentiels de la vie d'un labrador pour assurer qu'il soit bien équilibré, obéissant et heureux. Voici quelques conseils pour entraîner et éduquer votre labrador. Commencez tôt, il est important de commencer la formation dès que possible, idéalement dès que vous ramenez votre chiot à la maison. La socialisation précoce et l'apprentissage des règles de base dès le plus jeune âge permettront de poser des bases solides pour un comportement futur sain. Utilisez le renforcement positif, les labradors répondent bien au renforcement positif, comme les éloges, les caresses et les friandises récompensez les lorsqu'ils se comportent bien et ignorez ou détournez leur attention des comportements indésirables soyez cohérents la cohérence est essentielle en matière de formation utilisez les mêmes commandes et les mêmes règles à tout moment pour éviter toute confusion soyez également cohérents dans vos réactions au comportement de votre labrador pour lui permettre de comprendre ce qui est attendu de lui entraînez vous régulièrement la pratique régulière est importante pour renforcer les comportements appris et maintenir les compétences de votre labrador. Planifier des séances d'entraînement courtes mais fréquentes pour garder son esprit actif et engagé. Socialisation continue ⁇ la socialisation continue est cruciale pour les labradors afin de les aider à s'habituer à différentes situations, personnes et environnements. Exposez-les à une variété d'expériences positives dès leur plus jeune âge pour les aider à devenir des chiens bien équilibrés. Patience et persévérance ⁇ la formation d'un labrador peut parfois être un défi, donc patience et persévérance sont essentielles. Restez calme et positif même en cas de difficulté, et ne perdez pas de vue l'objectif à long terme d'avoir un compagnon bien éduqué et aimant. Les labradors aiment être stimulés mentalement et apprendre de nouveaux comportements. Entraînez votre chien à obéir à des commandes de base telles que ⁇ assis, coucher et reste, ainsi qu'à des tours amusants pour garder son esprit agile et actif. Santé et bien-être ⁇ Les labradors sont généralement des chiens robustes, mais ils peuvent être sujets à certains problèmes de santé. Voici quelques aspects importants à considérer pour assurer la santé et le bien-être de votre labrador. Une alimentation saine et équilibrée est essentielle pour maintenir la santé de votre labrador. Choisissez des aliments de qualité adaptés à son âge, son poids et son niveau d'activité. Limitez les friandises et les extras alimentaires pour éviter le surpoids. Les labradors ont besoin d'exercices réguliers pour rester en forme et en bonne santé. Assurez-vous de fournir à votre chien au moins une à deux heures d'activité physique par jour sous forme de promenade, de jeux de récupération ou de natation. Les problèmes dentaires sont courants chez les labradors, il est donc important de prendre soin de leur hygiène dentaire. Brossez régulièrement les dents de votre chien avec une brosse à dents et un dentifrice spécialement conçu pour les chiens et envisagez des friandises dentaires pour aider à prévenir l'accumulation de tartre. Emmenez votre labrador chez le vétérinaire pour des examens de santé réguliers. Des contrôles annuels permettront de détecter tout problème de santé précoce et de mettre en place un plan de traitement approprié si nécessaire. Les labradors ont tendance à prendre du poids facilement, ce qui peut entraîner des problèmes de santé tels que l'obésité et les troubles articulaires. Surveillez le poids de votre chien et ajustez son alimentation et son niveau d'activité en conséquence pour maintenir un poids santé. Protégez votre labrador contre les parasites tels que les puces, les tiques et les vers en utilisant des traitements préventifs appropriés. Consultez votre vétérinaire pour des recommandations sur les produits antiparasitaires adaptés à votre chien et à votre environnement. Les labradors, avec leur tempérament amical, leur intelligence vive et leur nature douce, sont bien plus que des animaux de compagnie, ce sont des membres à part entière de nombreuses familles à travers le monde. En prenant soin de leurs besoins physiques, mentaux et émotionnels, vous pouvez créer un lien profond et durable avec votre labrador et lui offrir une vie heureuse et épanouissante. Que vous soyez déjà l'heureux propriétaire d'un labrador ou que vous envisagiez d'en adopter un, Rappelez-vous toujours l'importance de fournir à votre chien une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier, des soins médicaux appropriés et beaucoup d'amour et d'attention. Les labradors sont des compagnons fidèles et aimants qui méritent le meilleur de notre part. En investissant du temps et des efforts dans leur éducation, leur santé et leur bien-être, vous pouvez enrichir votre vie et la leur, créant ainsi des souvenirs précieux qui dureront toute une vie. Merci d'avoir suivi notre guide sur les labradors. Nous espérons que ces informations vous ont été utiles et que vous êtes désormais mieux préparé à offrir à votre labrador une vie heureuse et saine. Si vous avez d'autres questions ou avez besoin de conseils supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt.